Bon les gars, c'est la rentrée. Terminus de bouffer des glaces les michalaires sur la plage en dansant la zumba avec le pom-pom short. Fini ! Ça y est, c'est parti, c'est les cours de poney qui reprennent. Et je peux vous dire que je vous ai concocté des trucs, j'ai pas voulu payer. Bon, interro surprise, sinon ce serait pas drôle. On va commencer un petit question sur l'anatomie du cheval, ça vous calmez direct. Où se trouve le rectus capitis lateralis sur le cheval? Attention, vous avez 3 secondes. 3, 2, 1, 0. Personne? Eh ben, mise en selle. Justine, tu peux m'expliquer pourquoi t'as la dernière bombe BPA Milady à 2000 balles sur la tête pour faire un cours de poney de mise en selle? Non, moi je pense que c'est plutôt pour faire ta crâneuse, tu vois, hein? Tu pourras dire à ta mère qu'elle peut mettre son pognon ailleurs, hein? Et puis que tu peux t'acheter une bombe à Décathlon à 40 balles, ça fera le même effet, hein? C'est pas parce que Pénélope, elle a ça qu'il faut l'acheter absolument, hein? Moi, je veux pas de crâneuse dans mon cours, je vous préviens, hein? C'est la rentrée, on remet les choses à leur place. Est-ce que c'est compris? Popo, as-tu pris des bonnes résolutions pour cette nouvelle année de cours de poney? Ben comme arrêter de tomber par exemple, ce serait bien. Ou alors non, tomber un cours sur deux. Tu vois, une fois sur deux, moi ça me va ça, une fois sur deux, tu vois. Justine, est-ce que tu en as profité pour améliorer ton assiette cet été? Tu comprends pas? Attends, je reformule la question. Combien de mecs tu t'es tapé? Chloé, est-ce que t'as fait les exercices que je t'ai demandé là avec ton frère cet été? Mais quel exercice? J'ai demandé à ton frère de te foutre des claques à longueur de journée cet été là, pour que tu t'endurcisses un petit peu, puis que t'arrêtes de chialer pour un oui pour un non en cours de poney. Donc est-ce que vous avez fait les exercices? Oui. Et alors, ça s'est bien passé? T'as chialé? Ben oui. Ouais, je m'en doute. T'as pas un peu fort, non? Bon, Camille, cette année, j'ai décidé de mettre en place un règlement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas nous faire une georgette en concours, tu mets 10 balles. 10 balles dans la tirelire. Comme ça, je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, on va pouvoir se faire un très très bon resto, tout le club équestre, hein. Non, non, ben je dis ça, je dis rien. Ça va peut-être te calmer un peu, hein. Tu vas peut-être rester derrière comme ça, hein. Non? C'est une bonne idée. À Popo, je vois que ta mère, elle a investi dans un nouveau gilet airbag. C'est bien ça, hein? Bah ouais, surtout chez vous. Et surtout pour toi même. Oui, bah non, faut mettre le prix, hein. Le dernier cri, dernier modèle. C'est bien, c'est bien. Camille, tiens ton dos. Ça se voit que t'as rien foutu pendant 2 mois. On dirait une chenille molle là, sur ton cheval. Tiens-moi ça, sans les nibards, bon sang. C'est bon, vous avez fini vos conneries? Racontez votre vie, votre TikTok, tout le bordel, là. On peut commencer? Parce que je vous préviens, là, qu'on a encore pas commencé et on a déjà perdu une demi-heure, là, avec vos conneries, là. Hein? Donc mise en selle, allez, c'est parti, au trot, sans étrier, sans les mains, sans les yeux, sans rien. Allez, hop!